Salut, on se retrouve pour la suite de Suikoden 2 avec toujours la cuisine au départ, hein, pour que vous puissiez suivre un peu les dialogues et la quête de la cuisine. Donc voilà, là il y a un inconnu qui vient nous faire un duel et qui est en fait le frère d'un autre mec qu'on avait battu. On en est qu'au début, hein. Peut-être la moitié, je sais pas. Voilà, donc il y en aura un paquet, hein, de trucs de cuisine encore. On fera le dernier en direct. C'est décidé. Alors, on va essayer le gratin, puisqu'on l'a pas pu le faire avant. Salade. Oh, ça c'est de la merde. Ça je peux même plus le faire. Il faut du poisson. Poisson, hein, et qu'on gagne en pêchant, je vous l'avais déjà dit, je crois. En pêchant avec Amku. Du coup, ben, je sais pas. J'ai pas d'épices aussi, c'est très chiant. On va faire ça. Salade, c'est de la merde, donc on va pas le prendre. Est-ce qu'on a maintenant gratin 600 HP? Ouais, c'est pas mal. Bref, alors cette vidéo ça va être du recrutement et un peu de recrutement avec un petit peu de recrutement en plus. Je vous ai jamais montré d'ailleurs la terrasse de cuisine, il me semble. Ouais, ça c'est sympa. De toute façon, comme je vous l'avais dit, je vous montrerai le château entier un peu avant la fin. On va se concentrer sur les recrutements et puis l'histoire hein, pour l'instant. Donc là, on va recruter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 persos dans cette vidéo. Vous en faites pas, ça sera pas le bordel comme comme la dernière vidéo de recrutement. Parce que justement, la dernière vidéo de recrutement, j'ai dû recruter plein de persos casse-couilles. Comme Gordon ou Mukumuku, c'était des persos très chiants à recruter. Là, ça va être vite fait. Donc on avance un petit peu dans l'histoire quand même. Voilà, l'histoire continue une fois qu'on a passé à Sosundo et Couscous. Mais on va pas aller là-bas tout de suite. Bon. Alors je vous dis les objets qu'il va nous falloir. Il y a trois objets. Donc il nous faut un ensemble son, n'importe lequel, on s'en fout. Ça marche toujours aussi bien, cette manette de merde. Voilà. Voilà, donc vous prenez un ensemble son, hein. Si vous en avez pas, vous pouvez en acheter à certains endroits ou en trouver sur certains monstres. Là où je suis sûr qu'il y en a, ouais, c'est frontière... Green Hill Mathilda. C'est sûr qu'il y en a sur les espèces de lutins là qui font des notes de musique. Si vous en tuez plusieurs, au bout d'un moment vous aurez un ensemble son. Il nous faut également la broche de rose pour Simon et Luancelado pour le Brandt. Broche de rose on la trouve à Banner, en objet rare. Si elle apparaît pas, bah faut que vous jouiez et vous y retournez plus tard. Au bout d'un moment elle va apparaître. Et lui en Céladon, vous pouvez soit l'acheter à Greg Minster dans le truc d'échange là, soit vous pouvez la gagner au jeu à de la corde dans le château qui se trouve au-dessus de la cuisine. Faut faire celui à 10 000 en fait. Voilà, voilà. On va commencer par le Brandt puisque c'est peut-être celui qui est le plus proche. Il est là. Et voilà. La lionne, c'est la don, hein, je vous dis comment on la trouve. Mais c'est le jeu de la corde.
Donc le Brand, c'est bah, c'est le mec qui va identifier quoi. Il ne peut pas combattre. Il a toujours les mains, les bras croisés. Du coup, on va aller voir Simone maintenant. Ah, tiens, il doit en parceler lui. Je l'avais oublié celui-là. Faut fouiller un peu toutes les villes une fois qu'on a Yuzu. Il y en a qui vendent leurs animaux partout. Voilà. Et là, faut aller juste en dessous, il me semble. Enfin, on trouve Simone. Merde, je me suis trompé de choix de dialogue. Ça allait trop vite. On va faire ça. Donc si on met donnez-moi de l'or, faut surtout pas le faire parce qu'elle nous donne vraiment de l'or. Elle nous donne 60 000 poches. Beaucoup. Mais par contre, on pourra pas recruter le perso, donc on peut seulement faire ça. Voilà, et son ami en question, c'est Vincent. Et on peut le recruter aussi. Mais plus tard dans le jeu. À la fin, en fait. À la toute fin du jeu. Je sais pas si on peut la mettre derrière, non? On est obligé de la mettre devant si on a trop. Voilà, voilà. Les 3e perso à recruter à date. Donc la broche de rose, hein, on la trouve à Banner dans le objet rare, dans le magasin d'objets. Et on a encore un perso à recruter ici. Ah, c'est un mec qui se passe pour nous. Bien trouvé ce perso. Fallait qu'il y en ait un comme ça, c'est obligé. Pas qu'on empêche la petite tactique. J'ai déjà essayé en vrai, mais ça marche pas. Pourtant, je suis vraiment Mr. Freeze, donc c'est abusé. Peu importe les choix de dialogue, hein. Voilà, par contre le mec il a pas compris. Alors ça c'est un gros bug, il est niveau 99 mais c'est un bug. Alors je sais plus exactement comment ça marche, mais en gros... En gros rien, j'en sais rien. Je sais qu'il y a un bug sur le niveau 99, si on a un certain nombre de persos dans... Si on a recruté un certain nombre de persos... il se passe un truc...
que certains recrutements ils sont direct 99, mais c'est pas normal. Bah après tant pis, hein, ça fera un perso de moins à monter. Bah on l'utilisera, ça sera marrant comme ça. Alors, on va aller à South Window. J'aurais pu aller avec la pierre de téléportation, mais vu que c'est juste à côté, on va pas se faire chier. Voilà, et à peine on rentre, il y a Max qui vient nous parler. Non, il est assez marrant, j'aime bien sa gueule. Normalement on peut recruter Annalie aussi maintenant. Et moi je l'ai recruté avant. Par contre on va recruter Kayleigh. Bon, je crois qu'il y en a fait d'autres ici. Quand t'es dessous, on peut absolument rien faire pour l'instant. Gantetsu, c'est pas tout à la fin, mais c'est un peu avant. C'est pas pour tout de suite. C'est abusé parce que c'est un des persos qu'on voit le... Comment ? Le plus tôt, quoi, c'est... Voilà, donc ouais, vous voyez, on est déjà à 4 persos. On y va. Et il comprend qu'on est le vrai Mr. Freeze. Voilà, voilà. On va aller à l'auberge. Parce que Kayleigh, hein, je vous rappelle, venait parce que Alex connaît les ruines Sindar, c'est là où on était, vers le début du jeu, près de l'auberge du Dain Blanc. Voilà, peu importe ce qu'on met, ça revient au même. Il parle de sa femme et son gosse. Hein. Voilà, alors Kayleigh c'est un perso assez énigmatique. On l'a toujours pas recruté là. Hein. Mais c'est un perso important. Hein. Enfin, dans l'histoire là, non, mais dans la série Suikoden en général, il est important. Les ruines Sindar, tout ça, enfin, c'est un truc assez important, mais on en saura pas trop plus. Ce qu'on peut faire, c'est parler à Richemont une fois qu'on l'a recruté pour découvrir des secrets. Comme je vous l'ai dit, on peut découvrir 3 secrets sur chaque perso. Ouais, peut-être qu'on le fera, parce que ça c'est un de mes persos préférés, Kayleigh. Il est très puissant. On va aller... Ouais, on va aller à... Forest. Vous voyez, hein, les recrutements sont très simples, faut juste parler aux gens et leur dire à peu près les bons choix. Y a pas 10 000 allers-retours à faire ou ce genre de conneries comme avant. Ok, ok. Voilà, là on trouve Connell.
Voilà, donc faut juste avoir un ensemble son et lui parler pour l'écouter. C'est assez simple. Ça, c'est dingue le nombre de persos qu'on recrute sans problème maintenant. Il a 3 vies au sacrificiel, quoi. Le gars incroyable. Parce que le jeu au sacrificiel, ça réussite quand on crée un peu. Ouais, le bug du niveau 99, je sais pas exactement comment il se déclenche, mais je vais regarder ça, parce que c'est vrai que c'est bizarre. Il y a pas mal de bugs hein, dans le jeu hein, qu'on peut faire. Je vous ai dit, il y a un bug pour avoir l'argent max en un coup. Il y a aussi un bug pour acheter des armures sans payer. Enfin, c'est plus des glitches, parce que c'est des trucs où on manipule le jeu un peu. Et bon, c'est de l'exploitation de bugs. Hein. C'est pas un bug directement comme là où j'ai pas fait exprès quoi. D'ailleurs il a quoi comme ruine? Mais il a rien. Elle non plus. Point, point, point. Alors, on va aller là. Et on va aller. Ah oui, c'est vraiment trop bien maintenant qu'on puisse téléporter. On va aller Tour River. Faudra pas que j'oublie d'aller à Sauce Window quand même. Alors faut aller au quartier Kobold. On aurait pu y aller à pied depuis Forest. Avec les combats et tout, c'est plus long que de se téléporter. Ah, et là, on peut enfin recruter Bob. Pour un certain nombre de persos pour qu'ils viennent, comme il le dit. On va dire oui. Ça c'est juste pour qu'ils viennent avec nous en fait. Sinon il va au château. Voilà, on va sortir par là, ce sera plus rapide. Et du coup, il nous reste que bah, Kaylee et puis Karen qu'on va recruter juste après. On va d'abord aller à South Window, récupérer Kaylee. Il n'y a pas besoin de perso particulier hein, pour recruter tous les persos que j'ai recrutés. Enfin, il n'y a pas besoin de lézard dans l'équipe en tout cas. South Window. On va reparler à Kaylee au même endroit qu'avant. Il faut lui parler plusieurs fois. Encore une troisième fois. Quatrième fois. Voilà. Alors on sait pas trop ce qui se passe avec les runes Cinder, mais ça doit être important. Voilà, donc il reste plus qu'un perso à recruter. Je suis content, c'est assez rapide. Bon là on y va à pied, on va pas déconner non plus. C'est juste ici, et en plus c'est là où se trouve la suite de l'histoire aussi. Alors le perso, il se recrute dans l'auberge.
Alors c'est tout con, faut enfin ça peut être compliqué si on n'a pas de mémoire en fait. Faut juste appuyer sur la même touche qu'elle. Enfin il y a une suite de touches quand elle danse et après faut refaire la même suite de touches. C'est danse orientale. Hein. Ah, surtout ne pas appuyer sur une touche après, voilà. Parce que si on fait une touche de trop, ça casse tout. Voilà, 8 persos recrutés en plus. Et voilà la suite de l'histoire. C'est pour ça que j'ai terminé par Karine vu qu'elle était juste à côté. Profiter aussi. Alors le nom des armes, il change hein, des fois, vous avez remarqué. En fait, il change, il y a trois niveaux d'armes, on va dire. D'argent. Ouais, ils ont les armes ont trois noms. En gros, alors je sais plus combien le niveau max 15, il me semble. En gros, il y a ouais tous les 5 niveaux, un truc comme ça change de nom. Par exemple là Mister Freeze s'appelle Twin Event Fang. Avant, c'était Twin Fang, je crois. Mais bon, ça changera hein, que ça change de nom, c'est pareil. C'est juste pour qu'on voit le niveau du truc quoi. Bon, c'est sympa. Voilà, et donc là vous avez reconnu Kulgan. Normal, donnant des canons de barrage à nos ennemis. Voilà, bon, de toute façon, il va pas nous tendre un piège tout seul. Alors qu'il sera dans notre château, quoi. C'est clair, ces Highlanders, c'est tous des enculés. Ils font des combats d'immortels, après ils découpent la tête de l'autre. C'est abusé. Bon, on va retourner au château, et puis ce sera la fin de la vidéo, parce qu'après, ce sera la suite de l'histoire. Donc, on va sortir. On n'a toujours pas de forgeron, mais c'est pour très bientôt. Et après, on pourra récupérer des marteaux pour que le forgeron puisse faire encore plus améliorer les armes, quoi. Voilà. Bah, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et je suis content de cette vidéo parce que si vous savez comment j'ai eu plus de 3 heures hein, pour l'autre vidéo de recrutement avec toutes les conneries qui me sont arrivées. Et en plus, plus je faisais de la merde et plus le jeu me se foutait de ma gueule, plus ça m'énervait et plus j'avais du mal. C'était horrible. Non, là voilà, c'est de toute façon les recrutements maintenant ils vont être très simples, c'est soit parler aux mecs. Des fois, bon, ils sont à la fin de certains donjons donc c'est un peu long, mais
C'est pas compliqué, quoi. Mais voilà, il y aura plus de trucs aussi chiants, quoi. Allez, hop. De toute façon, là, il nous reste quoi, une quinzaine de persos, peut-être, à recruter. Et tous les autres seront dans l'histoire. Et là, on a déjà recruté 8 d'un coup, donc vous voyez, c'est pas très très long. Du coup, je vous dis à la prochaine vidéo pour la suite. Est-ce que tout ceci est un guet-apens ou est-ce que c'est vraiment la paix? Bah, vous le verrez à la prochaine vidéo. Allez, salut.